Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes dimanche et il est midi et Canal Presse est sur la rampe de lancement. Nos invités pour ce dimanche, Thierry Téné, il est consultant en question de développement. C'est un Camerounais de la diaspora qui est de passage au pays. Émile Ngoulou est homme politique, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais parti au pouvoir. Christophe Bobiokono est un habitué des plateaux de télévision et de débat, vous le connaissez très bien. Il est journaliste et directeur de publication de Kalara. Jean Takungan est enseignant, homme politique, militant du Social Democratic Front. Et puis, on a oublié qui ? Personne. Et puis, il y a Duplex Kwenzok qui est communicateur, acteur de la société civile et un des responsables de l'organisation intitulée Dynamique mondiale des jeunes. Avec ces invités, on va aborder des sujets que présente Ghislain Piesono. La bataille pour la présidence du Sénat est-elle lancée ? La réponse coule de source, car le siège du successeur constitutionnel de Paul Biya, qui dirige le Cameroun sans partage depuis près de 31 ans, sera bientôt pourvu. En fait, le 8 mai dernier, le chef de l'État camerounais a nommé les 30 sénateurs attendus pour compléter la liste des 70 qui ont été élus le 14 avril dernier. Le décret du président de la République désigne également des sénateurs suppléants, dont un est issu des rangs politiques de l'Union démocratique du Cameroun, UDC. Mais problème, ces derniers et son parti politique viennent de rejeter l'offre. Dans un communiqué rendu public vendredi dernier, l'UDC dit « non merci » à ce qu'on appelle là-bas « minable poste de sénateur suppléant ». Qu'on nous ait empêchés de gagner et qu'on vienne nous nommer sénateur suppléant, nous contestons cela. C'est assez inédit et suffisamment embarrassant pour le régime de Yaoundé qui n'a pas encore officiellement réagi. On est libre d'accepter une nomination ou de la refuser, mais ce n'est pas un incident politique. En attendant, la session de plein droit de cette institution est annoncée pour mardi prochain. Comment faut-il comprendre les choix du président Biya ? Que va-t-il répondre au nom cinglant de l'UDC ? Que faut-il attendre de cette chambre dite haute qui est désormais au grand complet ? Des émissaires de l'initiative pour la transparence des industries extractives étaient au Cameroun cette semaine. Que sont venus faire les sieurs Tim Baitiger et Bedi Bald à Yaoundé? Au ministère des Finances, l'on répond qu'il était question de peaufiner entre autres la participation camerounaise à la 6e conférence mondiale de cette initiative anglaise qui aura lieu fin mai à Sydney en Australie. Du coup, l'on se souvient que le Cameroun a jusqu'à fin août pour atteindre le statut de pays dit conforme par rapport à cette initiative. Après plusieurs échecs, le pays joue son va-tout. Dans trois mois, s'il ne réussit pas à prouver qu'il fait partie du cercle des pays qui gèrent, dans la transparence, les ressources comme le pétrole et autres, eh bien, le pays sera expulsé de cette initiative. Qu'est-ce qui coince ? Pourquoi le statut de pays conforme est-il si difficile à atteindre au moment où le régime martèle que le pétrole et l'argent du pétrole ne relèvent plus du secret? Bozizé est-il définitivement en exil politique au Cameroun? Le président déchu de la RCA vient de prendre ses quartiers au lieu dit Golf à Yaoundé. Cette installation aurait-elle pu se faire sans l'aval du régime en place? La question taraude les esprits dans un contexte marqué par une querelle de leadership dans la sous-région Afrique centrale. En effet, c'est la première fois que le Cameroun accorde son hospitalité à un ancien chef d'État déchu. Quel est donc le statut de Bozizé au Cameroun? Quel sens faut-il donner à la décision du président Biya de garder un colis dont on dit qu'il devient encombrant? Canal Presse, c'est aussi la revue de presse, le reportage et l'image de la semaine. Ne l'oubliez pas, l'émission est doublement en direct sur les chaînes Canal 2 International et 8 FM. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Bon appétit Ghislain Pierre, j'ajoute simplement que Canal Presse est aussi en direct sur notre site web www.canal2international.net. Vous y trouverez des responsables pour vous répondre en direct, parmi lesquels moi-même, Christian, le webmaster, y veille particulièrement. Thierry Téné, bonjour. Bonjour.
Je le signalais, vous, nous venez de l'Europe, vous êtes parmi ce qu'on appelle les Camerounais de la diaspora. Vous êtes venu au Cameroun aussi et surtout pour, dans le cadre des deuxièmes journées de la PME, un secteur qui concentre près de 90% des entreprises camerounaises, mais un secteur qui se porte mal. À vous le rappeler, c'est vrai. On parlait des problèmes de financement, tous azimuts. Bah, c'est vrai que j'ai eu l'honneur d'être invité par le secrétariat général du ministère des PME, donc pour cette rencontre internationale, justement sur les PME au Cameroun. Vous disiez 90 000, mais on a exactement 93 000 entreprises à peu près au Cameroun. Et puis 99% justement de ces entreprises sont des PME, mais on se rend compte que dans les parts de marché attribuées aux entreprises, à peine 36% reviennent aux PME. Alors vous évoquez la question des financements, mais je pense que la question des financements doit être précédée par une autre. C'est celle de la compétitivité et de la performance de nos PME. Et d'ailleurs, le fait qu'elles ne puissent pas accéder au marché, ça prouve qu'effectivement, elles ne sont pas assez performantes. D'ailleurs, dans le cadre de ma présentation, j'ai proposé qu'avec la bourse de sous-traitance qui est créée, que le Cameroun se positionne comme une bourse de sous-traitance responsable. Responsable, ça veut dire quoi? Et ce problème de compétitivité interpelle qui? L'État, les groupements patronaux Je pense que tout le monde est interpellé, mais rappelons-le d'abord, c'est la responsabilité des entrepreneurs. Quand on crée une entreprise, c'est pour qu'elle soit performante. Alors, qui dit performance dit la prise en compte de la gestion du personnel, la prise en compte des stratégies qualité. Or, nos PME ne sont peut-être pas celles qui excellent énormément dans ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle, même quand il y a, on a actuellement quoi, 20 projets structurants, 28 000 milliards de francs CFA, 30% réservés aux PME pour qu'elles aient accès à ces marchés, il faut qu'elles soient performantes, il faut qu'elles soient compétitives. C'est là l'enjeu. Ensuite, les autorités doivent mettre en place un dispositif, c'est ce qui est en train d'être fait avec la bourse de sous-traitance, mais ça n'exclut pas d'abord la responsabilité des dirigeants des PME qui doivent avoir des entreprises qui répondent aux standards internationaux, et on en est loin. Certains ont fait remarquer que des entreprises de ce secteur, dans l'immense majorité, évoluent en rang dispersé. Oui. Est-ce que ça ne pénalise pas un peu ces PME? Mais tout à fait, parce qu'il faut être structuré. Prenez l'exemple du secteur minier, on en parle peut-être vers la fin de l'émission avec l'initiative ITIE. C'est clair que si les entreprises, notamment les PME du secteur minier, sont regroupées, qui travaillent sur des standards internationaux, elles pourront facilement pouvoir accéder à certains marchés. Donc, dans le domaine du BTP, dans les différents secteurs d'activité, il faut regrouper justement ces PME, ce qui facilite d'ailleurs l'accompagnement qu'on pourrait leur proposer. Et aussi, ça facilite l'accès au financement, parce qu'il est beaucoup plus facile pour une banque de discuter avec un groupement qui dit, voilà, mes adhérents travaillent sur des standards internationaux, nous sommes transparents d'un point de vue de la comptabilité. Et là, on peut négocier, parce que le volume de prêts qu'on demande est important, on peut négocier à des taux réduits. Effectivement, il faut qu'elles se structurent, ces PME, mais surtout qu'elles montent en compétitivité. Émile Ngoulou, bonjour. Bonjour. C'est mon premier plateau avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Un peu surprenante, mais bon. Vous l'avez dit positivement. Ouais, forcément. Rien ne va plus entre la Ligue professionnelle de football et les clubs d'Elite One et Elite Two. Le président de la Ligue conditionne la reprise du championnat des championnats. On va dire par la professionnalisation des clubs ou si vous voulez la transformation des clubs en société anonyme. La méthode du général Pierre Semenge est, on va dire, un peu militaire, mais il pose un problème sérieux. Avant d'y arriver, je voudrais déjà revenir sur la PME, étant moi-même dirigeant d'une PME. Très rapidement. Ben juste pour dire à toutes les autres PME que maintenant, le JICAM, que nous croyons un mastodonte juste pour les tout grands, admet déjà des PME en son sein. Okay. Je suis membre du JICAM aujourd'hui. Et c'est le creuset par lequel on pourrait effectivement, tu vas le compléter. C'est ce que je veux dire, c'est que nous n'avions jamais idée de penser qu'on pourrait être membre du JICAM. Pourtant, c'est un creuset pour voir comment les grands font et pour se conformer à la standardisation qui pose un problème. En fait, le vrai problème de l'entreprise, c'est qu'il va falloir penser normalisation au Cameroun. Ce n'est pas encore le cas. Il faudra normaliser les comportements. Maintenant, cela dit, par rapport au sport, le général Semenge a raison ou pas? Justement, à propos du sport, moi, je dis, il ne fallait pas aller chercher ce général où il se trouvait. On a été le chercher. On devait s'attendre à ce qu'il ait le comportement militaire qu'il a.
Et encore qu'aujourd'hui, je pense que c'est une caporalisation bienvenue, parce que c'est encore une question de standardisation, de normalisation des comportements. Je refuse de croire que les grands clubs qui aujourd'hui posent le problème des délais n'ont pas les moyens de trouver 1 million de francs pour se constituer, ne serait-ce qu'un SARL. Et je serais plutôt du genre à me ranger derrière le général pour qu'une fois au moins, on fasse les choses telles qu'on s'est promis, tout le monde était d'accord, il a donné un délai, qu'on fasse les choses telles qu'on a accepté qu'elles devraient être faites. Christophe Bobiokono, bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs de Canal Presse. Le 3 mai dernier, le président de la République a signé un décret qui crée un corps spécial d'officiers de police judiciaire dédié au tribunal criminel spécial. Pour le chroniqueur judiciaire que vous êtes, ça va apporter quoi? Je crois que ça devrait normalement apporter un peu plus de professionnalisme dans la conduite des enquêtes préliminaires. Vous savez, le tribunal criminel spécial est justement spécialisé dans le traitement de la criminalité financière. C'est une criminalité toute particulière qui souvent demande des compétences assez pointues. Or, on a remarqué jusqu'ici qu'il y a certains dossiers qui passent en jugement ou qui sont passés à l'information judiciaire, mais qui étaient déjà biaisés dès l'étape de l'enquête préliminaire. Par moment, on a vu que, par exemple, la police judiciaire, la direction de la police judiciaire était un peu surplombée par les cas qui lui étaient transmis. Quand vous avez à la fois le dossier du ministère de la Santé avec Urbain Olanguena, le dossier du ministère des Finances, de l'économie et des Finances avec Polycarp Abba-Abba et d'autres personnes qui sont transmis en même temps dans cette unité, ça devient très très difficile. Et je peux vous dire que pour l'affaire concernant l'avion présidentiel, par exemple, il est totalement établi que la quête avait été dévoyée par les enquêteurs de la police judiciaire. Et je pense que ce corps de la police, on appelle police entre guillemets, parce que si vous lisez très bien le texte, on parle d'une sélection des éléments de la police et de la gendarmerie. Ils travailleront certainement, qu'ils auront droit à un renforcement des capacités. Et je pense que là, le tribunal criminel spécial, c'est un texte qui vient simplement compléter l'architecture qui avait déjà été prévue par la loi portant création du tribunal criminel spécial. Et la portera, je crois, j'espère bien, un peu plus d'efficacité à l'action de cette juridiction spéciale, bien qu'elle soit décriée par ailleurs. Duplex Mkwenzor, bonjour. Bonjour David. Je vous accueille avec un sujet de sport. Les responsables du football camerounais auraient rencontré jeudi dernier Raymond Domenech, l'ancien Lyonnais, sélectionneur de l'équipe de France, serait pressenti, serait en pole position pour être entraîneur des Lyons, pour succéder à Jean-Paul Akono. Vous n'êtes pas chroniqueur sportif, mais j'ai envie. Mais pour vous, il peut être l'homme de la situation ou pas? On dit qu'au Cameroun, tous les Camerounais sont des Tous les Camerounais sont des coachs. Oui, il faut le dire, nous avons un regard sur notre football. Et demander si Raymond Domenech peut être l'homme de situation, il faudrait d'abord se demander de quelle situation il s'agit. Parce que pour le moment, on a comme l'impression que les Lions indomptables ne sont pas prêts, hein, ce qui concerne les joueurs, à être ensemble. Si l'on s'en tient aux différents problèmes, conflits que l'on entend dans les vestiaires. Aussi, par ailleurs, est-ce qu'il y a réellement une maîtrise de ce que nous voulons faire de cette équipe nationale? Qu'a fait le coach actuel pour qu'on puisse vouloir le remplacer à quelques jours, je dirais, des échéances pour les éliminatoires de la Coupe du Monde? À quand est-ce que nous aurons une équipe prête pour une compétition? Moi, je pense que l'enjeu ne devrait plus être à trouver des personnes ailleurs, mais de mettre sur pied une véritable stratégie qui permette à ce que l'équipe national se fixe des objectifs clairs, qu'on trouve des gens, quitte à ce qu'on fasse une refondation. On peut faire une refondation avec un coach déjà en place. Moi, je crois que la situation doit beaucoup plus être le travailler, le vivre ensemble, ou alors de travailler à ce que l'on s'accepte mutuellement. Jean Takungan, bonjour. Bonjour David. On l'a appris avec beaucoup de consternation. Un Camerounais a été froidement assassiné du côté de Bangui. Son nom, on l'a, il s'appelle Elvis Baudelaire Tala. Il était tombé en panne de voiture. Il essayait en tout cas d'arranger son engin lorsqu'il a été abattu par des militaires de la Séléka. On n'a pas beaucoup entendu le gouvernement camerounais par rapport à ce sujet. Ça ne me surprend pas. J'avais appris auparavant que le principe directeur de la diplomatie était la réciprocité.
Or, nous voyons tout ce qu'ont fait des Camerounais en Guinée équatoriale, au Gabon. Il y a un ingénieur camerounais qui a été tué au Congo. Nous avons écrit là-dessus, nous en avons parlé ici à Canal Presse. Personne n'a jamais répondu. Le problème est qu'il est Camerounais. Nous ne savons pas qu'il faut 20 millions d'individus pour faire le Cameroun. S'il était français, on aurait compris. Nous avons vu comment le président s'est démené pour libérer les Freedom Fighters. Il y a quelques années, ils étaient 10. Nous avons vu aussi comment il s'est battu pour libérer les 10 autres, la famille Mounier. Vous comprenez très bien. Alors que chaque jour, on enlève des sous-préfets à Bakassi, on enlève des responsables à la frontière de l'Est et ça ne gêne personne. Mais c'est que nous sommes noirs, ils sont blancs. L'ambassadeur du Cameroun en RCA parle d'incidents diplomatiques. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré quand même? Ce n'est pas exagéré. Un Camerounais, on doit défendre un Camerounais comme si c'était tous les Camerounais qui avaient eu un problème. Et je reviens sur le problème du français. Ça relie exactement le problème de Jean-Paul Akono. On raconte que Jean-Paul Akono a demandé à être payé 15 millions. Quand on donne 100 millions à un blanc qui ne donne pas le résultat de Jean-Paul Akono, ça ne gêne personne. Mais moi, ça me gêne. On va prendre la revue de presse et on revient juste après pour les débats. A tout de suite. Il avait jusqu'au 9 mai pour nommer les 30 sénateurs, constatant avec le jour qu'il a fait durer le suspense jusqu'en soirée du 8 pour porter le nombre à 100. La deuxième chambre du Parlement est au complet, dit alors Cameroun Tribune. Mais qui sont donc ces personnalités nommées? Le jour dresse les portraits des sénateurs de Paul Biya dans un volumineux dossier de 4 pages, dossier complété par le décret présidentiel. En publiant l'intégralité de la liste des 100 sénateurs, Mutation réalise aussi un dossier sur les potentiels présidents de la Chambre haute en faisant ressortir les noms des 10 favoris régulièrement cités. Le messager donne la configuration politique et socio-culturelle d'un Sénat qu'il considère comme celui d'anciens ministres et de monarques. Sur les 30 nommés figurent un ex-premier ministre, 9 anciens ministres, 10 chefs traditionnels, 3 femmes, un total de 26 militants du RDPC, 4 membres de l'opposition, aucun handicapé, des caciques et des fossiles jetés dans l'arène, 1,2 milliard de francs CFA pour le logement des sénateurs en 5 ans. Le président de la République a dévoilé son penchant pour les anciens, dit la nouvelle expression, qui revient sur les curiosités de cet acte présidentiel qui sème la confusion autour du nom du chef supérieur Banjoun à l'Ouest, l'Ouest où l'UDC rejette le choix d'un de ses militants et le SDF qui dénonce l'exclusion de la société civile. Reste à présent que le travail des sénateurs commence, mais où donc? La question préoccupe. Le messager dit que cette préoccupation est d'actualité même à l'Assemblée nationale, elle-même sous le coup d'une délocalisation annoncée. Mais repères se veut rassurant, la Chambre haute du Parlement tiendra sa première session de plein droit au Palais des Congrès. Mais avec quel budget et quel salaire, s'interroge le journal de feu Richard Tounaombe. Allons lire à Cameroun Tribune pour constater que la Chambre basse a refermé sa session extraordinaire avec l'adoption du projet de loi portant prorogation de leur mandat pour une période de 2 mois, donc jusqu'au 23 juillet prochain. Le messager, nous sommes en sport avec ce bras de fer qui se poursuit sur la reprise des championnats Elite où on est tout, suspendu par le général Pierre Semengue, le président de la Ligue professionnelle, qui exige que les clubs se conforment aux exigences professionnelles. Les clubs, à leur tour, exigent sa tête, selon la nouvelle expression. C'est la guerre totale entre les deux parties. Guerre d'idées entre-temps sur la désignation d'un nouveau technicien au banc de touche des Lions Indomptables. Selon Mutation, après les auditions de la délégation de la Fédération Camerounaise de football en France, il reste à la FECAFOOT de choisir qui du français Raymond Domenech, du suédois Sven Goran Eriksson, de l'allemand Volker Finke et de l'ancien technicien des Lions Indomptables champion d'Afrique 2000, Pierre Lechante, remplacera Jean-Paul Akono. Maillot Sonki prépare tranquillement la phase retour des éliminatoires de la Coupe du Monde de Brésil 2014, éliminatoires qui pourront se jouer à Yaoundé par 2 pays étrangers selon le messager. La République centrafricaine et l'Afrique du Sud joueront au stade Amadou Ahidjo à raison de l'insécurité qui règne à Bangui. Bangui où un Camerounais a été tué par les militaires centrafricains, des militaires au pouvoir qui ont ouvert une enquête contre l'ex-président François Bozizé qui ne loge plus au Hilton Hotel, mais au quartier Golf à Yaoundé. Yaoundé où nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre revue de presse. S'il plaît, adieu.
À dimanche, Debo, le Sénat est désormais complet. Le chef de l'État camerounais a nommé les 30 sénateurs qui manquaient à l'appel, en fait, les 30 sénateurs qui devaient compléter la liste des 70 élus le 14 avril dernier. Cette liste-là est flanquée d'une liste de suppléants. Et ce dernier aspect a un problème, Christophe Obiokono. Koupit Adamou de l'Union démocratique du Cameroun, qui a été promu suppléant, répond par un non catégorique. Son parti avec. C'est assez inédit pour être souligné, comme le disait Ghislain Pierre tout à l'heure. Bon, inédit parce que les représentants des chambres, ou bien de la seule chambre qu'on avait jusqu'à présent, n'étaient pas jusqu'ici nommés. Donc, quand on va à une élection, on va dans un ticket où on connaît les titulaires et on connaît les suppléants. Mais là, le problème se pose parce que les 30 autres sénateurs, en dehors des 70 qui sont nommés, ont été désignés par le chef de l'État. Et il a pris sur son pouvoir discrétionnaire pour désigner, pour attribuer un poste de sénateur suppléant à un responsable de l'UDC. Or, quand on voit comment est-ce que l'élection s'est déroulée et j'allais dire la charge qui a été celle du RDPC sur l'UDC, et qu'en réalité, il y a très peu de chances qu'un sénateur, j'allais dire suppléant, devienne titulaire un jour, on peut très très bien comprendre que l'UDC décline cette offre-là qui ressemble à, comment je dis ça, à un peu de mépris tel qu'ils disent là-bas à l'UDC. Jean Takungan, au cours, à l'issue d'une réunion du bureau politique de l'UDC, on va dire une réunion de crise, cette nomination a été qualifiée de minable. On a qualifié de minable l'offre du chef de l'État avant de la rejeter. Et au moins que le président de la République nomme parfois des postes de responsabilité sans consultation préalable. Normalement, une nomination ne devrait pas tomber sur la tête de quelqu'un comme un papin. Et de deux, lorsqu'on connaît les rapports qu'entretiennent le sultan de Bamoun avec l'UDC, nommé la tête de liste de l'UDC, suppléant du sultan, ce n'était pas seulement un poste minable, c'était même une provocation. C'est la même chose lorsqu'on prend le chef Banjoun, on le nomme titulaire, on prend le chef Baham pour nommer son suppléant, ça ne marche pas chez nous à l'Ouest. Et puis, il faut partir de là pour poser le problème. Le statut du suppléant. À quoi il sert? Le suppléant ne peut même pas devenir titulaire si le titulaire meurt. Il faut à tout prix que le titulaire soit promu à un poste de responsabilité. Or, à quel autre poste de responsabilité le sultan peut être promu un jour? Moi, je crois que l'UDC avait bien raison. C'était une provocation, c'était une insulte. Émile Ngoulou, politiquement, on va dire que c'était assez risqué pour le président de la République de procéder ainsi, de nommer quelqu'un sans consultation préalable. Un temps soit peu, mais seulement quand on connaît le jeu politique camerounais et surtout la posture de nos camarades qui sont souvent en face, je ne suis pas tout à fait étonné. Mais je veux dire, on ne va pas faire de ce qui est quasiment un épiphénomène, un événement, parce que chacun de nous a la latitude à l'appel par nomination ou de quelque façon que ce soit, d'exprimer sa liberté, d'accepter de le faire ou de ne pas le faire. C'est plaisant de voir que des Camerounais, et nous espérons qu'il y en aura de plus en plus, sont capables d'affirmer leur personnalité et leur désir. Mais au-delà de ça, il est parfait. Quand on connaît l'intégration, même pas tribale, familiale, comme vient de le dire M. Takungan, l'intégration familiale que la politique a chez les Bamoun, je peux très bien comprendre sans surprise qu'on pense un peu retirer les marrons du feu de cette façon-là en n'acceptant pas la nomination du président de la République. Duplex Kunzok, est-ce qu'on peut dire que cette réaction a un lien avec la tension qui a prévalu pendant la sénatoriale entre l'UDC et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui, par rapport à la consigne de vote, a préféré le SDF? Effectivement, on ne peut pas dissocier ces deux actes. Vous savez que la liste de l'UDC a été rejetée et que maintenant on vienne à leur accorder une place de suppléant dans un contexte, effectivement, comme le disaient mes prédécesseurs, dans un contexte où la subordination à un sultan est de nature à ne pas permettre même déjà la cohabitation, mais aussi de ce qu'il y a une guerre permanente entre le RDPC là-bas et l'UDC. En plus aussi, il faut se dire que même si les sénateurs représentent les régions,
Il ne faut pas oublier qu'il y a la coutume ici chez nous qui parle de discipline de parti. À qui répondrait ce responsable de l'UDC s'il arrivait que les consignes soient divergentes? Je crois que c'est une crise qui... Thierry Tenet, il était difficilement... C'était difficile d'imaginer quand même un militant de l'UDC suppléant voilà. du sultan roi des Bamoun, qui est un ponte du RDPC, pour qui connaît les tensions qu'on a souvent dans cette zone. Et vous le rappelez très bien. Bon, je ne dois pas relativiser comme mon voisin qui dit que c'est un épiphénomène. Non, je pense que dans ce pays, on n'a pas l'habitude de refuser les nominations. C'est vrai que le contexte est un peu particulier. Mais je dois quand même préciser qu'en tant que Camerounais, j'ai été un peu blessé, en tant que Camerounais, je parle bien, de ce qui a prévalu avant les élections. On ne peut pas, dans ce pays, en 2013, se permettre d'indexer comme ça un parti politique sur des questions très sensibles dans notre pays. Qui, sur ce plateau, pour des raisons ou pour une autre, ne pourrait pas être taxé de tribalisme? On ne va pas revenir sur ça. Vous parlez de la sortie du ministre Jean-Famé Ndongo. Bon, on ne va pas revenir sur ça. Moi, je pense quand même que des questions comme celle-là sont des questions assez sensibles. Et effectivement, on ne pouvait pas, après avoir eu ce contexte un peu particulier, nommer, et il faut quand même le rappeler, avant de nommer quelqu'un, on prend quand même la peine de consulter. Je pense quand même que ça, c'est un préalable, d'autant plus qu'il y a ce contexte un peu particulier de la subordination insultant qui, elle, c'est quand même des choses assez sensibles. Mais David, le plus blessant est que des partis qui ne sont même pas présentés au sénatorial ont eu des titulaires. C'est bon. On vous a compris, on va en apprendre davantage. On va en apprendre davantage dans quelques secondes. Nous l'avons rencontré, Bobby Okono, Jean Tagonga. Nous l'avons retrouvé, le suppléant démissionnaire, mettez les guillemets quelque part, à Yaoundé. Il s'explique, Koupi Adamou. Nous avons également tendu notre micro à Jean-Célestin Ona, qui est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il n'est pas du tout d'accord avec lui. Et les deux font la réaction croisée de cette semaine. Qu'on nous ait empêchés de gagner et qu'on vienne nous nommer sénateurs suppléants, nous contestons cela. Nous aurons dû accepter au nom de notre parti si c'est ce parti-là qui avait donné l'onction à ce que nous occupions ces postes. On est libre d'accepter une nomination ou de la refuser, mais ce n'est pas un... tout petit peu la génération, le Cameroun actuellement. Vous le rappelez, on a eu moins de 50 ans, je tiens à préciser, même si on me dit que c'est des sages, c'est vrai que nous en Afrique, au Cameroun en particulier, nous avons la culture des sages, c'est très bien, mais 5 à 6% de la population camerounaise a entre 60 et 80 ans. 5 à 6%. Or, quand on regarde, que ce soit le Sénat, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les dirigeants des plus grosses entreprises de notre pays, malheureusement ou heureusement, selon qu'on considère les sages, ils sont plutôt dans une tranche qui va se rapprocher de cela. Or, Thierry Tenet, je peux vous dire que ce Sénat, par exemple, je ne me sens pas représenté parce que 35% de la population camerounaise a entre 15 et 34 ans. Ouais. 35%. Alors, vous comprendrez bien que l'avenir du Cameroun, c'est dans sa jeunesse. J'aurais bien voulu que mon voisin soit au Sénat, même s'il dit que ce n'est pas sa position. J'aurais bien voulu que les jeunes cadres du RDPC prennent la place parce que qu'est-ce qui va se passer, M. Atinkem? Ceux qui sont là aujourd'hui, demain, on va avoir dans quoi 5-10 ans une nouvelle classe politique qui doit arriver dans cette institution. Il faut qu'ils aient de l'expérience. Or, cette expérience, ils l'acquièrent progressivement quand on fait un dosage entre nos aînés et la jeunesse, parce que les aînés apprennent à la jeunesse et après, ils prennent leur place. C'est comme ça qu'on aurait dû procéder, à mon humble avis, bien évidemment. Thierry, il n'est pas loin, de dire que le président a misé sur les vieux. Je suis désolé de lui rappeler qu'il y a des gens de mon âge qui sont dans ce Sénat. Oui. Peu importe, même si je dois préciser que, d'ailleurs, de façon traditionnelle, le Sénat serait la chambre des hommes aux cheveux blancs. Je pense que la bataille se joue ailleurs. Nous n'avons pas besoin du repos sénatorial qui se limite justement à la suggestion hypothétique législative. Je crois que les jeunes ont mieux à faire. Quand vous dites que la bataille se joue ailleurs, elle se joue où ailleurs? Je dis la bataille se joue aux mairies. La bataille se joue à la Chambre basse. La bataille se joue aux directions générales de société. La bataille se joue à la Chambre d'agriculture, qui pour moi est... De votre perception, la Chambre basse serait plus importante alors? Donc moi j'attends de voir, nous sommes au début d'un processus.
et je ne suis pas moins exigeant, j'attends de voir les changements que le Sénat devrait induire, un certain nombre de changements pour revitaliser effectivement non seulement la vie politique, mais surtout la productivité camerounaise. Les jeunes vont se former, les jeunes vont se former, pas au Sénat, le Sénat est un aboutissement. À mon sens, les jeunes devraient se former bien plus avant et peut-être ailleurs. Je reviendrai à vous, Thierry Tenet. En réaction au texte présidentiel, Jean-Robert Wafo a confié à nos confrères de Jeune Afrique, et je le cite, que durant ses 30 ans de pouvoir, Paul Biya a été un chef de clan et un chef de faction au Cameroun. Fin de citation. Le propos est dur ou bien il traduit l'esprit que renvoient les choix du président de la République, Christophe Obiokolo. Je voudrais laisser à l'auteur de ces propos le soin d'assumer et d'expliquer son propos. Mais ce que moi je voulais dire, c'est que il ne faudrait pas qu'on continue à bassiner les oreilles des Camerounais avec des formules comme celles qu'utilise mon grand frère Émile Ngoulou. Le président Obama a été sénateur, il avait quel âge quand même? Non, bien sûr, je dis bien, dans le mécanisme. C'est pas la seule façon, dans le mécanisme de fonctionnement de deux chambres et tout ça, les États-Unis tiennent pour un exemple dans le monde entier. Et je pose la question, à dessein, je dis, il était considéré comme un jeune et tout. Jeune président, mais il sortait du Sénat. Et c'est là-bas qu'il a fait l'apprentissage de la politique, ainsi de suite. Donc, je pense que, de toutes les manières, les partis politiques se sont livrés une bataille au niveau des élections. On ne reviendra pas sur cela. On en a largement parlé. Mais pour l'avenir, ce serait bien quand même que la jeune génération soit suffisamment représentée, que c'est un corps d'élite. C'est un corps d'élite soit représenté au Sénat, les experts comptables, ainsi de suite et tout, parce qu'il y a nos lois ont un certain nombre de problèmes qu'il devrait passer en relecture au niveau du Sénat. Une réaction très rapide de Jean Takunga et après on aborde une autre question. Je dois dire que dans mon village, on dit que l'aîné naît le premier et le sage naît n'importe quand. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut être sage à 20 ans comme être idiot à 100 ans. Absolument. Et je dois rappeler que le code électoral camerounais est juvénophobe. Il lutte contre les jeunes. Parce qu'on écrit dedans que lorsqu'il y a un siège en ballotage, on donne ce siège à la liste qui a la moyenne d'âge la plus élevée. Et que dans cette liste, on donne à la personne la plus âgée. Cela veut dire que quand on constitue les listes, les gens cherchent les dinosaures. Les gens très, très âgés, parce qu'ils savent que s'il y a un siège en ballotage, c'est leur liste qui va l'avoir. Et je vous rappelle que M. Ngoulou prend le Sénat au sens premier, qui est Sénatus, qui veut dire que vieux. Et puis le Sénat camerounais n'est pas un Sénat pour faire du progrès. C'est un Sénat pour empêcher l'alternance. Parce que pour une fois, on ne dit pas qu'en France, on nomme aussi les sénateurs. On ne dit pas qu'en Italie, on nomme. Au Cameroun, on ne comprend pas qu'il y ait des nommés dans une chambre législative. Avec la séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif, comment est-ce qu'on peut nommer 30 personnes dans un législatif? Ça n'a aucun sens. Je voudrais terminer en disant ceci. Qu'on arrête avec ces atermoiements de dernière heure et de mauvais perdants. Il y a eu 70% de possibilités pour les jeunes de se présenter aux élections, de se constituer en liste et de se présenter. Ils n'y ont pas été. On ne va pas maintenant. Dans votre parti, je suis désolé. Oui, c'est votre parti. J'ai dit. Dans la machine de votre parti. Il y avait la possibilité pour une jeunesse dynamique de prendre déjà 70% et ne laisser au président de la République que 30%. Est-ce qu'ils ont les moyens? Alors la jeunesse n'y a pas été. La jeunesse n'a pas fait. Si la jeunesse ne croit pas elle-même, ne demandez pas au président de résoudre les problèmes. Émile, juste une rapide question avant de finir avec vous. Est-ce que les jeunes du RDPC notamment, oui, avec les moyens sur le plan de l'investiture, oui, d'occuper des postes de responsabilité. Il se trouve que nous avons une élection formidable. Nous avons une élection formidable qui ne demandait pas de moyens particuliers. Il faut l'avouer. C'est la première fois de mémoire des militants que je vois une élection se dérouler comme c'est là dans le RDPC. Il fallait juste... Il fallait juste oser. Okay. Alors tous les jeunes se sont votrés. Il fallait payer les arriérés. Charles Atéba ne sera pas d'accord avec vous parce qu'il n'a pas eu la possibilité d'être candidat. Il n'a pas manqué de la possibilité d'être candidat. Nul ne peut se prévaloir de sa propre subitude. Rapidement, on va évoquer les enjeux liés à la présidence de cette institution. Je comprends bien que
mon voisin doit défendre la discipline du parti. Du parti. Moi, je le conçois, mais je suis d'accord de ce qu'on traite comme jeune là-bas. Mais c'est pas moi qui vais pourfendre les jeunes. Je regrette. Il ne s'agit pas d'un débat pour dire il faut mettre les gens à la place de vie. Regardez la sociologie de la société camerounaise et il y va de la société africaine. C'est clair que nous avons une grosse partie, près de 60 à 70% de la population qui sont jeunes et très jeunes. Donc, si ces gens-là ne sont pas au poste de décision, ça ne peut pas être. C'est le même problème que vous posez, si vous permettez, tout à l'heure, sur la PME. Plaît, les PME sont tenues davantage par les jeunes. Elles sont inopérationnelles aujourd'hui parce une personne à la fois. Nous avons eu, je le répète, 70% d'occasion d'avoir des jeunes. Émile. Si les jeunes n'y sont pas, n'allons pas demander au président de la République. Permettez à Thierry de terminer. Quelques secondes, Thierry, pour terminer, s'il vous plaît. Jean Takougan, je vous donnerai la parole tout à l'heure, s'il vous plaît. Oui, il a mal politiqué, si vous voulez. Monsieur Émile, vous savez très bien qu'une PME n'a pas le même fonctionnement qu'un parti politique. Thierry Tenné, qui met une PME en place, il va travailler sur les critères de compétitivité. Oui. Mais Thierry Tenné, qui adhère dans un parti politique, n'aura pas la même marche de manœuvre. Excusez-moi, on dit qu'il y a une compétitivité politique. C'est bien compris. Il y a une compétitivité politique. S'il vous plaît, on vous a bien compris. Je finis juste un mot sur quelque chose. On a parlé des jeunes. 50% de la population camerounaise, ce sont des femmes. Voilà. Donc, M. Ngolo, je comprends bien qu'il y a la compétitivité, mais pourquoi on évolue? Actuellement, au Rwanda, sur 80 députés, 45 sont les femmes. Au Sénégal, sur 150 députés, 64 sont les femmes. Donc, pour que ça marche, M. Antekem, qu'est-ce qu'on fait? On dit, dans les partis politiques, les têtes de liste, on aura un dosage qui vont représenter soit les femmes, soit les jeunes, parce que ça représente la dynamique sociologique d'un pays. Okay. Nous tombons par M. Ngolo. On vous a bien compris. L'autre aspect, avec vous. Avec vous, notamment Duplex, la bataille pour la présidence du Sénat est lancée. Comme qui dirait, on imagine que les tractations sont en cours. Il y a pas mal d'enjeux. La désignation de l'homme qui va présider aux destinées de cette institution devrait avoir un impact significatif sur le jeu des équilibres ou bien de l'équilibre des équilibres institutionnels au Cameroun. Oui, effectivement, il faut dire que le gros enjeu même du Sénat actuellement, c'est d'évacuer le problème de la vacance du chef de l'État. Maintenant, en termes de quelle est la posture de la personne, il faut se demander, étant donné que cette personne ne pourra pas elle-même être candidate à l'élection, cela nous appelle simplement à vouloir quelqu'un qui est en même de lire notre texte et de jouer le jeu que la présidente du Sénat a joué au Gabon, parce que nous avons vu une dame et assurer une transition assez noble. S'il arrivait que le Cameroun plonge dans ce cas de figure, nous attendrions que le prochain président du Sénat soit quelqu'un à même d'assurer une telle transition. Christophe Obiokono, le principal enjeu de par rapport à la désignation du président de cette chambre concerne effectivement la vacance de pouvoir à la tête de l'État ou la succession au président de la République actuelle, qui doit beaucoup y penser avec ses 80 ans et ses 31 années de pouvoir. Même s'il avait 25 ans, ce serait vous avez vu des chefs d'État beaucoup plus jeunes qui meurent au pouvoir. Donc, je ne pense pas que ce soit un enjeu particulier pour le Cameroun du fait de l'âge du chef de l'État. Maintenant, lorsque vous utilisez le mot bataille pour la conquête du perchoir au niveau du Sénat, je pense que c'est un mot quand même exagéré. Le président de la République a nommé, disons, 80% de ceux qui sont là-bas, y compris ceux qui arrivent par la voie, entre guillemets, des élections, parce que ce qu'on n'a pas suffisamment dit ici, et ou ce que M. Ngolo a masqué, c'est de dire que c'est l'organe dirigeant du RDPC qui a décidé des listes du RDPC, qui partait déjà avec un avantage considérable, qui aurait pu rafler 100% des sénateurs, 100% des sénateurs compte tenu du corps électoral qu'on connaissait. Donc pour moi, le président sait exactement qui sera. Le président sait exactement qui sera président du Sénat. Et comme ça se passe souvent à l'Assemblée nationale, vous savez très bien que M. Kavaye Gedjibril n'est pas président de l'Assemblée nationale parce qu'il est plus fort ou plus charismatique que qui que ce soit, mais bien parce qu'il est désigné par quelqu'un et que ce choix-là est entériné par le bureau politique. Vous allez apprendre que le 14 ou le 15, le bureau politique va se réunir et il dira « voici la configuration du bureau du Sénat ». Émile Ngolo, quel est le meilleur profil pour vous
par rapport à la présidence de cette institution. Certains parlent de Peter Mafani Moussonguet. Je ne sais pas. Il faut que l'on reste bien un peu dans l'exercice pratique de ce que nous voulons être une démocratie. Et c'est dans le cadre de cela que je suis étonné de voir, par exemple, M. Takungan penser que quelqu'un au pouvoir peut organiser les élections à un moment où il est sûr de les perdre. Quand on dit ce genre de choses, ce n'est pas tout à fait rendre service à la population. La vocation d'un parti ou de quelqu'un qui est au pouvoir est de conserver son pouvoir. Maintenant, tant qu'on ne peut pas lui dénoter une entorse constitutionnelle, ne nous attardons pas sur ce genre de choses parce qu'elles relèvent tout à fait de la logique. Maintenant, en ce qui concerne le Sénat, que je veux dire, même si les journalistes ont créé le thème vénérable qui n'existe nulle part, donc je vais l'emprunter pour une fois, que de vénérables personnes s'y trouvent pour que maintenant on commence à lire dans le marc de café pour savoir qui sera président demain ou non. Je pense que le meilleur profil, c'est celui qui rapportera le maximum de suffrages de ses congénères, tout simplement. Encore deux minutes avant de sortir du sujet. Jean Takunga, vous entrevoyez qui à la tête de cette institution? Oui, avant de commencer, je rappelle à M. Ngoulou que partout on a le pouvoir, mais on ne confisque pas le calendrier électoral pour attendre tous les moments où on est sûr de gagner avant de les faire. Ça, c'est les crocs en jambes. Mais je vais dire qu'il y a un amendement de la Constitution qui vient d'arriver et qui complique tout. Il y a jusqu'à quelque temps, l'intérimaire ne pouvait pas remanier le gouvernement. Maintenant, il le peut. Ceci exclut les anglo-bamis et les nordistes. Le président du Sénat sera du glacis électoral centre-sud-est. Et puis, il ne peut être que du RDPC, parce que le RDPC a 86 sénateurs. Parce que je considère que même les 30 nommés relève du RDPC et de M. Pombier. On vous a compris. Thierry Téné, quels sont vos pronostics par rapport à la personne qui pourrait diriger cette institution, cet organe? Un mot, je n'ai pas de pronostic particulier, mais la remarque tout à l'heure sur le jeunissement ou puis sur la féminisation était bien valable pour le RDPC, le SDF, l'UNDP et autres, parce que tous ont la même configuration. Alors là, on ne parlait pas sur quoi tu pourras. Maintenant, je n'ai pas de pronostic particulier. Je veux juste te dire. Nous avons la plus jeune. Actuellement, nous avons une opportunité pour le développement du Cameroun. De la sortie du président actuel du palais dépendra la dynamique économique de notre pays. Donc, avec la mise en place du Sénat, à mon humble avis, il serait sage qu'on mette en place un comité qui regroupe le président, le président du Sénat, les principaux partis politiques et qui commence à discuter sur justement comment ça se passe l'après. Parce que partout où on a eu des problèmes après les élections, c'est parce qu'évidemment, on n'a pas anticipé en posant froidement, parce que vous voyez là, quand on parle de la politique dans notre pays, tout de suite, ça montait très vite la température, en posant froidement la question de la succession. Et pour cela, il n'y a pas que le RDPC qui doit discuter dans son coin, les différents partis politiques doivent se consulter, et tout ça remonte au niveau de leur président. Il se rend compte auprès du chef de l'État, et on planifie l'après. On sort avec Christophe Bobiokono et deux petites questions rapides. La session de plein droit s'ouvre mardi prochain, Christophe. Alors qu'il y a plusieurs équations qui ne sont pas encore définitivement résolues, il y a notamment l'équation du siège. Voilà. Mais il y a le siège du Conseil économique et social qui n'est pas, le Conseil économique et social n'est pas constitué. Il n'y a pas de membres. Il vient de se doter d'un très beau siège au niveau. Et puis il y a l'Assemblée nationale, il y a le palais de congrès. En tout cas, on peut démarrer quelque part. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui constitue un bon. Après, il faudra résoudre la question. Mais ça démontre que les sénateurs. Oui, évidemment. Une personne à la fois. Évidemment, le personnel. Moi, je suis au courant qu'il y a des tractations qui sont faites ici. Il y a des consultations. On essaie de trouver au sein de l'administration des personnes qui peuvent aller travailler, y compris à l'Assemblée nationale, à la Cour suprême, un peu partout dans les services publics, des personnes qui peuvent aller travailler au Sénat. Je crois vous que êtes donc d'accord avec moi que personne n'était prêt pour le Sénat, même pas le président de la République, parce qu'il a été pris de court, il ne sait pas où les loger. On prend une courte respiration en prenant la direction de Ebolova. Là-bas, les chantiers engagés dans le cadre du comice agro-pastoral, c'était un gros événement présidé par le président de la République. Souvenez-vous, ces chantiers-là sont abandonnés, tantôt en arrêt. Et ce n'est pas beau pour l'image de la capitale de la région du Sud. Anno Guéfac, Ambroise Foguet et Rodrigue Diffo ont fait le tour de ces chantiers. Ils nous proposent le reportage de la semaine.
l'enfer d'un projet en arrêt qui rivalise d'adresse avec les friches. On l'appelle sur du papier la cité municipale. Nous sommes à Ebolova, au quartier Elat. Ici devrait être construit 100 appartements, un centre médical, une école maternelle et primaire, un complexe multisport et un centre commercial. Le rêve ne vole plus qu'en fumée. La cité municipale, qui est aujourd'hui l'objet de beaucoup de négociations entre les MINDU, la communauté urbaine, le FECOM et même le crédit foncier, pour objectif de faire aboutir cet important projet. Quartier Mekala, voici le chantier de construction de l'hôtel du Comice. Abandon 3 étoiles. Métaphore bien simulée à la catégorie souhaitée de cette formation hôtelière. Cet état est connu à la quasi-majorité des chantiers engagés il y a quelques années dans la ville d'Ebolova. C'est une défaite totale. Une très grande défaite dans notre région du Sud. Nous voulons voir la région du Sud évoluer. Vous savez qu'il y a un problème aujourd'hui que nous sommes en train de vivre dans notre pays, le problème de détournement. Centre-ville, Carrefour Gunga. L'hôtel municipal sombre lui aussi. Les délais d'exécution sont au diable depuis longtemps. Les plaques d'identification des chantiers ne supportent plus le poids de l'art et se courbent pour ceux qui existent encore. Le réseau routier urbain continue de subir. Sur la rive du lac au quartier Angalé, l'immeuble de la communauté urbaine revendique en vain le droit de continuité, tout comme le parc municipal abandonné dans les herbes. Marché Fumo, la taille des herbes est débordante. C'est désormais le lieu de refuge de toutes sortes de reptiles. Les finitions et la livraison sont au calendrier grec. Nous attendons l'ouverture de ce chantier depuis et ça ne s'est fait pas jusqu'aujourd'hui. Donc nous ne savons pas qu'est-ce qui ne va pas. En attendant, on s'en sert comme lieu de vidange des pompes à pisse. Les toilettes publiques, construites d'ailleurs à l'occasion du comice agro-pastoral dans la ville, attendent toujours leur inauguration. Merci Arnaud. Émile Angoulou, il faut en rire ou pleurer? Je ne sais pas s'il faille même en pleurer, parce que pleurer ne résout pas le problème. Pleurer est malheureusement statique, alors qu'il faut une dynamique. Un certain nombre de choses qu'on voit là, à mon sens, relèvent tout simplement du crime national, pour ne pas dire du crime économique. Et c'est malheureusement la facette du Cameroun que l'on n'a pas envie de voir, et dans tous les cas, que personne ne doit défendre. D'ailleurs, quand on nous interpelle comme politique, moi j'aime toujours rappeler qu'il y a beaucoup d'opposants dans l'administration et même dans le RDPC d'une certaine façon. Rien n'explique de quel parti que l'on soit. Rien ne justifie qu'un Camerounais fasse arriver à cet état de choses. Il s'agit de beaucoup d'argent qui a été mis et maintenant qui ne sert pas à grand-chose. Il faudrait que le tribunal spécial puisse s'occuper des responsables de ce genre d'état de fait. Ok, ce n'est pas un sujet en débat. Deuxième sujet de nos échanges des émissaires. Jean Takunga, merci de nous permettre de passer au prochain sujet de nos échanges des émissaires de l'initiative pour la transparence des industries extractives sont été au Cameroun en semaine. Christophe Obiokono, certains parlent d'une menace d'expulsion du Cameroun qui a du mal à atteindre le statut de pays conforme. Leur visite avait un lien avec ça ou pas? Non. C'est dans un processus normal. J'allais dire le Cameroun a échoué un certain nombre de fois. On s'est remis, sur le circuit. Le Cameroun devait produire un certain nombre de ce qu'on appelle les rapports de conciliation et puis subir une validation qui n'a pas commencé parce qu'il faut recruter un consultant international pour cela qui sera recruté dans les prochains jours. Je pense que... C'est quoi le statut de pays conforme? Pays conforme, le litier fonctionne comme une marque.
on dit voilà un certain nombre de critères, vous devez les respecter. Si vous ne respectez pas un seul de ces critères-là, il y a peut-être 18, 21, 21 critères, il y en a 21. Si vous respectez 20 et demi, vous échouez. Vous échouez. Donc, je pense que ce processus a apporté beaucoup au Cameroun, mais simplement jusqu'à présent, on n'a pas réussi à respecter tous les critères. Mais pour revenir à la visite de ces responsables du secrétariat international, il y avait quelqu'un, le secrétaire en charge du dossier Cameroun, qui a changé. C'est un frère africain d'origine guinéenne qui est maintenant chargé du dossier. Il était question qu'il vienne à la rencontre du pays dont il a la charge désormais. Je crois que c'est rien que pour cela qu'il était au Cameroun. Duplessis Kunzo, cette initiative est assez floue hein, dans la conception populaire au Cameroun. En quelques mots, en quoi consiste-t-elle? Oui, il faut dire que l'initiative de transparence pour les industries extractives est cette initiative qui vient conjurer comme la malédiction des ressources que l'on a connues dans les pays riches en ressources naturelles. Et en tant que pays riche en ressources naturelles, c'est ces pays dont ces ressources contribuent à hauteur de plus 12%. Et le Cameroun en fait partie, 12% du budget, et le Cameroun en fait partie. L'initiative demande que les entreprises, les compagnies extractives, pétrolières, gazières, minières, soient à même de diffuser, de communiquer les chiffres des paiements qu'ils effectuent au gouvernement, à leurs différentes entités, et demande aussi que le gouvernement puisse communiquer les paiements reçus, dont les recettes issues de l'extraction. Et ces chiffres sont donc mis ensemble, conciliés par un consultant international, comme Christophe venait de le dire, et un rapport est produit avec, au passage, la justification des écarts éventuels. C'est-à-dire le rôle chiffres de ce consultant, c'est quoi? C'est vérifier le processus de transparence au niveau des informations qui sont diffusées? Il vérifie la conformité, j'allais dire l'égalité des chiffres. Oui. Mais il les ressemble. Oui. De part et d'autre. C'est-à-dire que les entreprises donnent leurs comptes audités et l'État, avec ses démembrements, donne des comptes audités. Le conciliateur donc essaie de faire cet état de rapprochement et dégage éventuellement des écarts qui doivent être justifiés par les différentes parties concernées. Et donc l'adhésion à cette initiative est libre? L'adhésion est volontariste. Oui. Il faut chiffres, les volumes qui concourent à l'industrie extractive. Et c'est une communication extensive de ces chiffres, en sorte que le citoyen, le commun des citoyens, soit en même de connaître la contribution de chaque entreprise. Et que la gestion du pétrole ne soit plus un secret. Effectivement, que ce ne soit plus opaque. Pas seulement le pétrole. Les industries extractives en général. Jean Takougan, vous vouliez dire quelque chose? Moi, je voudrais dire que la transparence des industries extractives rime avec la res publica. On ne peut être transparent que lorsqu'on est convaincu que toutes les ressources du Cameroun appartiennent à tous les Camerounais. Mais au Cameroun, on sait très bien que les ressources du Cameroun n'appartiennent qu'à certaines personnes. Et c'est pour ça que ça rentre avec dans la droite ligne avec la déclaration des biens. Déclarer les chiffres du pétrole, déclarer les chiffres du bois, déclarer, c'est comme on vous demande de déclarer vos biens. Et vous savez combien ça fait mal depuis 17 ans qu'on demande de déclarer les biens. Quelqu'un nous a dit un jour que le pétrole, là, aucun Camerounais ne peut comprendre. Il n'y a que le président de la République et moi. C'est maintenant révolu. Cette époque est révolue. C'est considérable. Oui, oui, mais oui. Il y a des avancées. Et ces avancées, c'est quoi concrètement en oui, duplex? On dit clairement, nous pouvons connaître la contribution de chaque compagnie aujourd'hui. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, on a les chiffres de 2009 et 2010. Et effectivement, on a des rumeurs de bateaux de pétrole qui ont disparu là-bas à Douala. Le Cameroun a publié. Personne n'en a parlé. Mais son excellence, le Cameroun a publié, je crois, c'est pas de 1 milliard de dollars à peu près pour les années 2010. Bien évidemment, on a un gros point de transparence. Ce qu'il faut rappeler, M. Antikam, c'est qu'on n'a pas bien expliqué à nos compatriotes quel est l'intérêt de l'ITU. Prenez un pays comme le Ghana. Aujourd'hui, vous dites, d'ailleurs, nous, on a la chance d'organiser un forum au Ghana. À peine vous avez prononcé le nom du pays, ça suscite un engouement particulier au niveau justement des ressources naturelles avec l'appui de la Norvège. Le Ghana est allé très loin dans la transparence, dans la valorisation de ses ressources et ça attire
les investisseurs qui trouvent là un cadre sécurisé. Et même, on parlait. Transparence électorale aussi au Ghana. Et on parlait. Justement, j'allais y revenir. On parlait tout à l'heure du lien avec la Prébia. Parce que la transparence au niveau de la gestion des ressources a aussi des répercussions politiques. Parce qu'à partir du moment où vous êtes transparent, les populations ne disent pas les gens sont venus prendre des ressources, nous on ne profite pas assez. D'autant plus qu'ils sont associés. Parce que l'ITIE, c'est bien l'État, c'est bien aussi les entreprises, mais c'est aussi la société civile qui, elle, y contribue. Donc, nous avons une échéance en août de cette année. Alors, je regrette que c'est pour l'instant qu'on est encore en train de recruter un constant. Je crois que ça a commencé en décembre. On a encore le procès en cours. Mais très vite, il va falloir que l'on produise justement ce rapport qui doit être validé. Et c'est après validation que le Cameroun peut être justement comme ça. Je suis quand même. Nous avons tellement menti que personne ne nous fait plus confiance. Pour sortir, pour conclure sur ce sujet, je dirais que c'est ce que Hubert Mononjana appelle. Il dit au Cameroun, nous avons normalisé les cas et écarté la norme. Et actuellement, nous, on voit bien ce que ça nous coûte. Là, il faut bien que nous normalisions la norme. Émile Ngoulou, on parle de plus en plus de transparence dans la gestion du pétrole et des autres industries extractives. Est-ce que vous avez l'impression, en tant que citoyen, que le Cameroun a évolué sur le plan de la gouvernance dans ce secteur? Il y a des évolutions réelles, même si elles ne sont pas toujours immédiatement perceptibles au niveau du peut-être aussi parce qu'on communique mal autour de ça. Il est clair que ça devrait faire partie du cahier des charges, effectivement, de la communication, entre guillemets, gouvernementale. Parce que assez souvent, le gouvernement se met dans une position où il manque même de capitaliser certaines choses intéressantes qu'il fait et prête davantage le flanc à d'autres. Mais je tiens quand même à rappeler à ceux qui vivent la proximité de l'extraction. Parce qu'il n'y a pas que en haute mer, il n'y aurait personne pour témoigner de comment ça se passe. Mais je veux dire, même jusqu'au bois, les populations sont fortement impliquées au jour d'aujourd'hui au Cameroun quand même on doit venir couper du bois. Donc c'est forcément à parfaire. Il faut qu'il y ait davantage de communication là-dessus et surtout fichtre. Pourquoi allons-nous laisser au monde entier penser que là où des gens que nous ne respectons pas toujours, comme le Ghana, le Burkina Faso et tous les autres arrivent, nous Camerounais, nous n'avons pas les moyens de le faire. Duplex, avant d'en arriver à nouveau à Thierry Téné, le Cameroun est à quel niveau aujourd'hui? Christophe Boubikouno parlait de 21 critères. Le Cameroun est à quel niveau aujourd'hui? Parlant de niveau et pour embrayer à notre collaborateur, le véritable... Je rappelle que vous êtes membre de Société civile du comité camerounais. Effectivement. Par rapport à cette initiative. Le rapport le plus récent, c'est 2009 et 2010. Nous avons publié deux rapports qui ont été rendus publics en février 2013. Oui. Le stade actuel, c'est le stade de la production du rapport de conciliation 2011 pour être en phase avec l'une des exigences qui demande la régularité de la production des rapports, mais aussi et surtout le recrutement du conciliateur qui viendra donc valider, j'allais dire du validateur, qui viendra donc valider que notre processus dans son entièreté est conforme à toutes ces 21 exigences. Et parlant de communication, est-ce qu'être en train de travailler le rapport 2011 alors que nous sommes en mai 2013, est-ce que c'est pas trop de retard? Disons que on peut relativiser ce retard. On peut relativiser, étant donné que les avancées actuelles permettent que toutes les entreprises, toutes les compagnies sont déjà prêtes et comprennent le processus, elles vont rapidement mettre à la disposition du conciliateur les données. Notre véritable enjeu serait que le citoyen puisse s'approprier effectivement ce processus et que l'on en parle pour essayer de faire de créer la confiance. Parce que ce que l'on disait tout à l'heure, la gouvernance, c'est aussi quelque chose de psychologique où il faut que le citoyen sente qu'autour de lui, on l'écoute et on met à sa disposition ce dont il a besoin. Et dans ce sens-là, la société civile qui fait partie du comité n'a pas voulu attendre le gouvernement, effectivement, qui agit sur un calendrier de communication dont on n'a pas toujours la maîtrise, y compris même dans le comité. Je voudrais dire qu'on a pris du retard pour communiquer. Mais la société civile a un projet d'amélioration de la communication. Et pour ce fait, nous avons anticiper sur les pratiques même de communication en allant aux côtés des populations riveraines, notamment dans le nord avec Figuil et dans le sud avec l'exploitation du fer du Mont Mamel, pour voir quelles sont déjà les attentes des populations, leur connaissance, leur perception de ce processus. Et nous nous sommes effectivement rendus compte qu'il y avait encore un faible pourcentage. Nous avons donc, grâce à un appui de la coopération française et de la coopération allemande, mis sur pied un projet de communication qui nous permet aujourd'hui de pouvoir descendre auprès des populations riveraines pour leur porter le message autour de l'ITI et d'expliquer surtout l'enjeu
de cette initiative et le processus qu'il doit suivre. Christophe Obiekono, mathématiquement, nous utilisons toutes les langues. Duplex, oui. Nous sommes à quel niveau, Christophe? Nous sommes à la 15e, au 15e critère, au 16e, au 20e. Nous sommes à quel niveau? Non, disons que la dernière fois, lorsqu'on a échoué, on avait principalement deux critères qui posaient problème. Parce que j'ai dit, c'est 21 ou rien. Oui. 21 ou rien. Donc on peut penser qu'on a largement dépassé, même si on est retenu, ça peut être rien que pour un demi-critère. Le problème ne se pose pas en ces termes. Le vrai problème, parce que ce n'est la finalité, c'est pas la validation. La finalité, c'est qu'il y ait un débat autour de la gestion des ressources extractives. Et moi, je trouve aberrant qu'il y ait donc ces rapports qui sont publiés régulièrement que les Camerounais n'aillent pas voir. Parce que lorsque Emile N'Golo parle de nos concitoyens qui habitent dans le voisinage des sites d'extraction et tout ça, il y a des impacts, voyez-vous. Et par exemple, le code minier prévoit que ces impacts-là soient atténués par une redistribution de ce qu'on appelle des frais infranationaux. Est-ce que ces paiements-là arrivent à destination? Qu'est-ce que les mairies, les collectivités territoriales font de ces frais-là? Les Camerounais doivent se préoccuper. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est prévu partout? Voilà les questions qui doivent préoccuper les concitoyens et faire en sorte que les Camerounais aillent chercher ce rapport-là. Il est publié dans le site du comité ITIER, mais on peut le retrouver aussi de manière physique. Il faudrait que les Camerounais s'approprient. Qu'est-ce qui va se passer en fin août, si le Cameroun ne réunit pas les conditions pour atteindre le statut de pays conforme? On va être expulsé de l'initiative. Les conséquences, c'est quoi? Oui, les conséquences, c'est qu'on va dire que le Cameroun, c'est un pays où il n'y a pas assez de transparence. Ce sera la conclusion logique. Il n'y a pas assez de transparence dans la gestion des ressources naturelles. Et du coup, les investisseurs, justement, positionnés, on va dire, si vous allez au Cameroun, c'est un pays où on n'est pas assez transparent. Or, nous avons un potentiel minier très important. Donc, il faut qu'on attire. Je tiens à rappeler, quand on dit mine, c'est aussi des mines solides, des mines liquides, y compris le gaz. On a tendance parfois à l'oublier. Et bien évidemment, ça va poser un certain problème. On parlait pour l'instant de l'ITIE qui peut être volontaire. Christophe évoquait bien la responsabilité sociétale, y compris sur les questions sociales et environnementales. Je tiens à rappeler, si vous permettez quelques secondes, qu'il y a d'autres initiatives qui ne sont pas volontaires. Actuellement, l'Union européenne vient de faire adopter justement une directive pour obliger les entreprises, notamment de l'Union européenne, à déclarer près de 100 000 euros de recettes ou de paiements qu'elles font à des États. Les Américains, avec la loi Dodd-Frank, obligent aussi les industries cotées, y compris celles qui sont présentes au Cameroun et dans toute l'Afrique, de déclarer aussi bien leurs revenus que l'impact sur l'environnement. Pour que nos compatriotes comprennent bien, actuellement, on a une exploitation minière informelle. Les chiffres officiels disent qu'on a perdu, là, je crois, c'est 300 milliards de francs CFA. 300 milliards de francs CFA du fait de l'exploitation informelle et donc frauduleuse de nos ressources. Ça représente 10% de notre budget. On va sortir de la question avec Duplex. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la gestion du pétrole et de l'argent du pétrole, ainsi que des autres industries extractives, n'appartiennent plus au secret au Cameroun? Oui, dès lors que nous pouvons avoir connaissance des chiffres, comme je l'ai dit, de compagnie par compagnie, dès lors que nous pouvons avoir la traçabilité de ces chiffres au travers des rapports de conciliation, et dès lors que nous pouvons voir dans le budget de l'État, qui est l'instrument à travers lequel, le réceptacle en fait de ces revenus, nous pouvons dire que cela a quitté l'ordre de l'opacité. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut trouver le moyen de diffuser l'information par rapport à ça. Oui, Christophe. Je voulais dire qu'au-delà, vous savez, le fonctionnement même des institutions a changé. Voilà. Avec le précédent échec du Cameroun, la Chambre des comptes est très très impliquée et regarde particulièrement la gestion des ressources extractives, parce qu'elle doit donner un avis. Un avis, c'est elle qui audite les comptes de l'État. Qui certifie les comptes de l'État. Donc, la Chambre des comptes est obligée de regarder de manière particulière. Donc, ça change forcément les habitudes. Et au niveau de l'Assemblée nationale, le chiffre est contenu dans le rapport. C'est pas Jean-Jacques Kouna qui pose les questions, mais c'est une question très pertinente. Mais bien sûr, c'est contenu dans le rapport. Oui, effectivement, le rapport a pris en compte le secteur du transport. OK. Il faut dire, parlant des institutions, la gestion des douanes, par exemple, qui est une entité de l'État, jusqu'alors ne participait pas à ce processus, mais avec les avancées de 2011, on va prendre une très courte transition et on revient pour le dernier sujet. À tout de suite.
François Bozézé est désormais installé au quartier Golf, pas très loin du quartier Bastos à Yaoundé. Le président déchu de la République centrafricaine est au Cameroun depuis au moins un mois, ça vous le savez. Cette installation est visiblement définitive, Thierry Téné. Bah, je pense, j'ai lu quelque part, l'un de vos confrères disait que c'était un outil de diplomatie, notamment pression par rapport au Tchad. Je dois quand même rappeler que le Cameroun, du fait de son poids dans la sous-région, à titre personnel, j'estime que militairement, nous, on ne s'implique pas ou on ne joue pas le rôle qu'on devait jouer en tant que locomotive de la sous-région économique. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on est une force économique parce qu'on a aussi une force militaire. Donc, ce qui se passe en Centrafrique, j'ai quand même regretté que ce soit le Tchad qui soit énormément mis en avant. Or, nous, les intérêts économiques que nous avons, via notamment le port, le droit et d'autres, avec la Centrafrique, donc, est-ce que c'est un élément de diplomatie politique? Oui, probablement, parce que c'est une installation difficile, c'est une première, hein, je crois, pour un président qui a été, qui subit un coup d'état dans son pays de s'être installé chez nous. Mais maintenant, ça pose quand même la problématique de la sécurité, y compris au sein de nos frontières, parce que là, on passe très vite. On va être focalisé sur le président Bozé, mais on rappelait tout à l'heure qu'autour de nos frontières, on a quand même beaucoup de problèmes de sécurité, et y compris en lien avec l'environnement. Quand les gens peuvent entrer sur le territoire camerounais, massacrer des éléphants et repartir sans que notamment le BI ou d'autres forces d'élite n'ont pu intervenir, ça m'interpelle, monsieur Antinkem. Émile Ngoulou, c'est la première fois que le Cameroun accorde ainsi son hospitalité à un ancien président de la République déchu. On a vu d'autres qui sont venus et qui étaient, on va dire, de passage. Comment est-ce que vous percevez, parce qu'on imagine que c'est avec l'autorisation du président de la République qu'il s'installe ainsi, comment est-ce que vous percevez le fait pour le président Biya d'accepter que Bozizé s'installe comme ça au Cameroun? Vous me donnez l'opportunité d'embrayer sur l'humanisme difficile à contenir du président de la République. Donc, demander comment peut-il donner un asile à quelqu'un qui est en difficulté, un confrère, la question ne se poserait pas. Mais Même magnanimité avec Koulibaly Ouédé, Ange Félix Patassé et quelques autres. Tout dépend des conditions. Si vous observez bien, l'arrivée de Bozizé aurait été préparée. La visite de M. Fabius au Cameroun n'est pas anodine quand on est un observateur de la vie politique. M. Fabius vient au Cameroun quelques jours avant que cela ne se passe en Centrafrique. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas des autres, que ça a été le cas lors des autres. Il a été reçu deux fois justement par le président de la République. Quel est son nouveau statut? Le président Biya le reçoit en tant que président de la RCA. Il le reçoit à quel titre? Et à quel titre s'installe-t-il à Bastos? Ça, c'est une question de journaliste, parce que c'est au président de la République qu'il faudrait poser la question, en réalité. Quand on en débatte, oui, mais pour avoir une réponse à la question, je ne sais pas pourquoi vous avez peur des bonnes réponses. Je ne sais pas pourquoi on a peur des bonnes réponses sur ce plateau. C'est à monsieur le président de la République qu'il faudrait poser cette question, parce que c'est lui seul qui peut nous dire définitivement pourquoi est-ce qu'il le reçoit et en quelle qualité. Maintenant, l'Assemblée nationale va faire son travail, pas nous. Et même si nous le faisons, nous n'avons pas les réponses. Et je n'ai pas compétence pour répondre. Je voudrais dire ceci. Oui. Que le président Bozizé soit maintenant au Golf ne veut pas du tout dire qu'il est définitivement installé au Cameroun. Okay. Vous imaginez bien, et c'est un hôtelier qui vous parle, il est assez difficile d'assurer la sécurité d'une telle personnalité dans un hôtel, qui reste un lieu public où tout le monde peut venir et où un certain nombre des actions ne devraient pas avoir lieu. Il est tout à fait convenable qu'on ait trouvé un endroit où assurer sa sécurité serait beaucoup plus facile. Le fait qu'il parte de l'hôtel ne garantit pas du tout une installation définitive. Christophe Obiokono, le nouvel homme fort de Bangui a lancé une sorte d'arrêt, de mandat d'arrêt contre François Bozizé. Certains parlent de colis encombrants. Mais le président de la République, visiblement, veut le garder au Cameroun. Comment est-ce que vous avez analysé l'installation de Bozizé au quartier Golf? Pas visiblement, et puis les règles sont les règles.
pour même si on lance un mandat d'arrêt international, il y a un certain nombre de mesures, oui, d'extradition et tout ça. Il faut une décision de justice, il faut un certain... Vous savez, le pouvoir, je ne sais pas si le pouvoir centrafricain est reconnu au plan international. Donc, c'est très, très difficile à mettre en œuvre. Et pour le moment, moi, je crois que ce qui devrait préoccuper les autorités camerounaises, c'est est-ce que le président Bozizé constitue un motif de déstabilisation du système de sécurité chez nous. S'il n'est pas au Cameroun pour préparer son retour militaire à Bangui, je ne vois pas pourquoi la question préoccupe. Si les dirigeants et le chef de l'État, il a les moyens de savoir qu'il n'y a pas une rébellion qui se prépare ici là pour aller renverser le régime en place. Sur le plan du leadership en Afrique centrale, est-ce qu'on peut considérer comme, un peu comme le disait Thierry Téné tout à l'heure, que c'est un message que le président Biya envoie à son homologue tchadien qui s'impose dans une certaine mesure de plus en plus, un peu comme quelqu'un, comme un faiseur de roi en Afrique centrale. Pourquoi est-ce que le leadership va nous préoccuper aujourd'hui plus qu'hier?